Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous donner les trois ingrédients que font toutes les personnes qui réussissent. La plupart des personnes qui réussissent font ces trois choses que je vais vous partager dans cette vidéo. Eux tous, qu'ils soient lettrés, qu'ils soient analphabètes, qu'ils soient, s'ils sont devenus riches, ils ont fait ces trois choses que je vais vous partager dans cette vidéo. La première chose que font toutes les personnes qui réussissent, ils ont soit une information ou bien ils ont soit de la formation. Peu importe, qu'ils soient analphabètes et milliardaires, sachez qu'ils ont une information ou ils ont reçu une information ou ils ont reçu une formation que vous n'avez pas. Il n'y a pas de différence. La plupart de l'argent qu'on gagne, la plupart des choses qu'on possède, c'est parce qu'on a eu de l'information. Parce que regardez tout autour de moi, il y a de l'argent partout. Mais est-ce que tu as l'information que telle chose peut te rapporter de l'argent? Vous pouvez regarder autour de moi, il y a de l'argent partout. Mais comment vous pouvez savoir que ça, c'est de l'argent? Que ça, c'est de l'argent. Est-ce que vous avez de l'information? Les gens n'ont pas d'information. Et comme les gens n'ont pas d'information, et pour certains, ils ne se sont pas du tout formés, ils peuvent voir de l'argent et penser que ce n'est pas de l'argent. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont réussi, qu'ils soient allés à l'école ou pas, ils ont eu de l'information que vous n'avez pas. C'est tout. Certains maintenant, pour augmenter ta chance d'avoir cette information, il faut te former. Tu te formes. Plus tu te formes, plus tu as plus d'informations qui peuvent te permettre de décider de ce que tu vas faire. Parce que si tu n'as rien dans la tête, tu ne connais pas ce qui peut te rapporter de l'argent, tu vas tourner en rond, tu vas voir, tu vas être assis sur le diamant et tu ne vas même pas savoir que c'est le diamant. C'est la formation ou l'information qui est la première chose commune à toutes les personnes qui ont réussi. La deuxième chose, c'est l'action. Dès que tu as une information, dès que tu as la formation, passe à l'action. Je connais beaucoup de personnes qui ont pris toutes les formations, qui ont acheté toutes les formations et jusqu'à là, ils ne gagnent pas d'argent. Où est le problème? Le problème, c'est parce qu'ils ne passent pas à l'action. Tu dois passer à l'action. Même si l'information que tu as n'est pas complète, passe à l'action. Parce qu'en passant à l'action, tu peux recorriger l'information que tu viens d'avoir. Tu as pris des formations, mais applique, passe à l'action. Tu vas te rendre compte par toi-même que peut-être ces formations-là, il manquait telle chose et par ton passage à l'action, tu vas corriger les choses qui ne marchent pas. Mais quand tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. Si tu ne fais rien, rien va se passer. Si tu ne fais rien, rien va se passer. Essaye de toi-même. Regarde les personnes qui sont autour de toi, qui dorment chaque jour jusqu'à 10 heures et ils sortent pour aller jouer au jeu de Damien, s'asseoir, prendre du thé. Vous les voyez, c'est depuis 10 ans qu'ils font ça. Mais rien n'a changé. Tu fais rien, tu ne passes pas à l'action. Peu importe l'information que tu as, si tu ne passes pas à l'action, rien va se passer. La troisième chose que toutes ces personnes qui ont réussi ont en commun, c'est que ce sont des personnes qui n'abandonnent pas. Ce sont des personnes qui passent à l'action, qui se trompent, qui se recorrigent, qui réessayent, qui échouent, qui réessayent. J'ai rencontré un ami, un multimilliardaire ivoirien. Et quand il s'est présenté à moi, il m'a dit que moi, je suis reconnu comme être l'homme qui a 7 doctorats en échec. J'ai dit que bon, je ne comprends pas ce que tu veux m'expliquer. Il dit que oui, il me dit qu'il a 7 doctorats en échec. Bon, moi j'ai voulu comprendre ce qu'il voulait dire. Il dit que Justin, moi, quand les gens ils me demandent, ils me rencontrent, ils me demandent de me présenter, je me présente comme quelqu'un qui a échoué plusieurs fois dans sa vie. Le gars, il me dit qu'il a échoué tellement dans sa vie que jusqu'à même sa femme ne croit pas en lui. Quand il rentre à la maison tout content. Oui, madame, ainsi de suite. Il va expliquer. Madame, il dit, attends, Robert, toi, tu veux recommencer encore. Toi encore, avec un autre projet. S'il te plaît, si tu as des projets, ne m'en parle plus. Fais jusqu'à quand ça réussit d'abord. Parce que je ne peux même pas compter le nombre de fois où tu es venu, tu m'as dit ça. Demain, tu es tombé dans la dépression. Demain, tu sors, tu me reviens avec encore un autre sourire. Et puis, deux, trois jours, encore deux, trois mois. Il dit que Robert, je suis fatigué. Je suis fatigué de me saouler avec tes projets qui ne réussissent jamais. Le gars, il dit que pendant 5 ans dans le business, il n'a fait qu'échouer. Il n'a fait qu'échouer. Mais comme il n'a pas abandonné, aujourd'hui, c'est un multimilliardaire. On s'est rencontré même dans un voyage en business class. Pour vous dire
qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dit que non, il n'y a pas un échec qui peut l'effrayer. Il dit, il n'y a aucun échec qui va l'effrayer. J'ai connu ça également avec beaucoup d'entrepreneurs et moi-même, ma vie, j'ai vécu une expérience. Des choses que tu fais, ça ne marche pas. Tu refais, ça ne marche pas. Tu fais de cette façon, ça ne marche pas. Tu reprends, tu fais comme ça. Et puis, finalement, tu as tellement fait le contour. C'est-à-dire que tous les problèmes liés à ce business ou à cette situation, tu as déjà tout parcouru. Et quand c'est comme ça, plus rien ne peut te faire peur dans l'échec. Les amis, si vous voulez vraiment, vraiment prendre un bond dans votre vie, formez-vous, passez à l'action et ça ne marche pas, récorrigez-vous, apprenez des choses, passez à l'action, vous avez échoué, reprenez. Vous allez faire ça peut-être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais peu importe le nombre de fois que vous allez suivre cette étape-là, ces étapes que je viens de citer, la réussite va un jour, vous allez tomber. Un jour, vous allez tomber. Les gens qui font les explorations, j'ai mon grand frère qui est pétrolier. Ceux qui font les explorations, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont creuser plusieurs trous. Ils vont creuser ici, ils ne trouvent pas le pétrole. Pourtant, pour faire un forage pétrolier, combien ça coûte? Dieu seul sait. Ils vont faire ici, ils ne trouvent rien. Ils vont faire plusieurs forages. Ils vont peut-être faire 15, 20, 30 pour tomber sur un puits de pétrole. Malheureusement, les entrepreneurs, ils veulent faire un forage et directement que le pétrole sorte. Ça ne marche pas. Donc si vous également, vous voulez vous former, vous voulez avoir quelqu'un qui va vous accompagner, qui va être derrière vous, pour que même quand vous échouez, il soit là et que vous recommencez jusqu'à atteindre la réussite, vous pouvez tout simplement regarder dans la description de cette vidéo. J'ai mis un lien là-bas de mon programme d'accompagnement pour vous accompagner, vous également, à réussir en business. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. À très bientôt.